Dans un Tokyo post-apocalyptique submergé par d'innombrables bulles où les règles de la gravité sont différentes, des jeunes se livrent à des batailles mélangeant combat et parcours. L'un d'eux, le personnage principal Hibiki, va être sauvé par une fille mystérieuse qu'il appellera Uta. Petit à petit, les liens qui unissent ces deux personnages vont se renforcer en même temps que se dévoilent les mystères de l'univers. Long-métrage d'animation disponible sur Netflix est projeté en avant-première au Festival du film de Berlin en février 2022. Bubble est l'un des films d'animation les plus attendus de cette année. Après Great Pretender, Vivi, Osama Ranking ou encore plus récemment Spy Family, WIT Studio frappe de nouveau en réunissant pour ce projet quelques-uns des plus grands noms de l'industrie de l'animation japonaise, parmi lesquels figurent le réalisateur Tetsuro Araki, le scénariste Gen Urobuchi, Takeshi Obata au chara-design ou encore Hiroyuki Sawano pour les musiques. Cependant, il est important de préciser que Gen Urobuchi partage le script avec Naoko Sato, ayant écrit le scénario du jeu vidéo Gravity Rush, ainsi que Renji Oki, qui a travaillé avec lui sur l'anime Godzilla, la planète des monstres. On vous invite d'ailleurs à aller voir notre vidéo sur l'influence de Godzilla dans Shingeki no Kyojin. Bubble est un film qui, dans le ton et par sa romance fantastique, peut rappeler quelques travaux de Makoto Shinkai comme Les Enfants du Temps. Ce qui n'est pas étonnant puisque le producteur Genji Kawamura a travaillé par le passé avec Makoto Shinkai, mais également avec Mamoru Hosoda. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans cet univers sans pesanteur et tentons d'analyser plus en détail la signification et la valeur de cette bulle pleine de mystères. Bubble, c'est avant tout une expérience cinématographique unique. Comme pour l'animé de l'Attaque des Titans, l'équipe s'est beaucoup inspirée de la discipline sportive qu'est le parcours, avec ses techniques acrobatiques. Dans le manga et l'animation, de nombreux sports ont déjà été abordés, mais le parcours fait partie de ces domaines qui ont encore été peu traités, ce qui rend le film en partie original. A l'instar de Air Gear, ces Yamakasi courent et sautent à travers les espaces de la ville, avec un sens passionnant du vertige dans la façon dont la caméra les suit, au-dessus des bulles et sur les toits. Les séquences d'action sont un mélange hybride de 3D CGI et d'animation 2D. Araki nous délivre un festival de Sakuga. Que ce soit au niveau des mouvements de caméra, de la perspective ou des angles abordés, il s'agit d'une véritable prouesse technique. Pour ce faire, ils se sont fait conseiller par Zen Shimada, un athlète spécialiste de ces pratiques, afin de reproduire ces mouvements dans un décor accidenté. Ces scènes d'action servent un objectif particulier, raconter la rencontre de deux personnages amoureux, montrer des individus dépassant leurs propres limites et se rassemblant émotionnellement. La direction artistique nous offre des visuels somptueux. Comme pour Vivi, les gros plans sur les visages et les détails dans les yeux des personnages sont sublimes. En ce qui concerne les décors, Araki perçoit de la beauté dans les lieux désolés, dévastés et abandonnés. Il est attiré par les images de destruction. On est notamment absorbé par cette civilisation dorénavant en ruine où la nature a rétabli son règne. On perçoit une allusion au tsunami de 2011 et à l'accident de Fukushima. Paradoxalement, il nous est également montré un univers lumineux et coloré, mettant en avant la beauté de la faune et la flore. Pour arriver à ce résultat, l'équipe projet a inclus un scénariste de couleur. Cette personne a été mise en amont de l'ensemble du processus de production afin de contrôler et de définir les couleurs et la façon dont l'histoire allait être racontée à travers ça. Par exemple, ils ont essayé d'insuffler de la vie dans les bulles en contrôlant leur dégradé de couleurs. Tout cela a permis de donner naissance à un paysage coloré magnifique, qui contraste avec l'aspect post-apocalyptique de la ville, ce qui véhicule à la fois une idée d'utopie et de dystopie et crée une dissonance chez le spectateur. La musique synth-pop, quant à elle, correspond bien à l'impression donnée par les personnages principaux qui ressemblent à des idoles. La musique se marie aussi bien avec les scènes intimistes que dynamiques, le sound design est tout aussi travaillé. Par exemple, pour le son des bulles, l'équipe a utilisé des échantillons de respiration de Riria, la seiyuu d'Uta, dans le but de traduire le fait qu'elle n'est pas seulement une bulle, mais une forme de vie intelligente. «
Cependant, on reprochera à ce film des personnages stéréotypés et bidimensionnels, pas assez développés. Cela se reflète dans le chara-design un peu caricatural, loin de ce à quoi nous a habitués Obata. On ressent beaucoup l'aspect commercial comme ces placements de produits que l'on peut voir. Ce n'est pas dérangeant, mais ça peut nous sortir de notre immersion. La romance quant à elle ne touche pas tellement et semble légère, voire superficielle. Le fait que plusieurs membres du staff n'aient jamais travaillé sur une histoire d'amour se ressent un peu. Il s'agit d'ailleurs d'une difficulté rencontrée par Tetsuro Araki puisqu'il explique en interview que le vrai défi a été de mêler romantisme et action. Il était compliqué de ménager les passages intimistes au cœur des scènes de poursuite. De plus, beaucoup d'éléments du scénario ne sont pas répondus ou auraient mérité plus d'exposition. Les raisons pour lesquelles la mère de Hibiki l'a abandonné ne sont pas très compréhensibles. Uta perd son bras, mais personne ne semble s'en soucier, voire le remarquer. Le moment de lumière de Shin nous laisse indifférents, car il n'y a pas eu d'attente construite autour de son personnage. La destruction de sa prothèse est un procédé dramaturgique surutilisé qui ne touche pas. L'apparition de ce groupe de pratiquants de battle court masqués avec des patins à propulsion ne fait pas mouche. L'échec du film à établir les principales menaces finit par être involontairement drôle. L'idée de bulle maléfique n'impacte pas. On comprend difficilement pourquoi les sœurs d'Uta étaient aussi en colère. Ce sont plusieurs aspects qui donnent au film cette saveur mi-figue, mi-raisin. Il a été révélé par les créateurs que le concept initial de Bubble était celui d'une petite sirène dystopique. La petite sirène figure d'ailleurs de manière tangible dans le film, à travers le livre d'Uta. La petite sirène est un conte de Hans Christian Andersen, paru en 1837. Il est largement connu grâce à son adaptation Disney sortie en 1989. L'histoire originale suit une jeune sirène qui entrevoit le monde humain et tombe amoureuse d'un beau prince. Lorsque le navire de ce prince coule, elle le sauve de la noyade. Cependant, lorsqu'elle sauve le prince, elle doit retourner à l'eau, et ce dernier ne sait pas qui lui a sauvé la vie. Remplie de mélancolie, la sirène rend visite à une sorcière maléfique qui lui donne une potion. Avec la potion, elle peut devenir humaine et vivre dans leur monde. Cependant, si elle n'épouse pas le prince, elle mourra le cœur brisé et se dissoudra dans la mer. Alors qu'elle et le prince deviennent très proches finalement, le prince décide d'épouser la femme par qui il pensait avoir été sauvé ce jour-là. À la fin de l'histoire, la sirène se voit proposer un accord final. Tuer le prince et elle pourra redevenir une sirène. Cependant, elle refuse et quand le prince se marie, elle se dissout dans la mer en bulle. En résumé, La Petite Sirène, c'est l'histoire de l'altruisme d'une femme à la recherche de l'amour. Elle aime tellement le prince qu'elle renonce au bonheur sur terre et à sa chance de monter au ciel pour le rendre heureux. Vous l'aurez compris, Bubble suit globalement le même schéma narratif que La Petite Sirène. Bubble est donc essentiellement un récit moderne de ce conte de fées classique. Ce n'est pas la première fois que des films d'animation japonais se basent sur le conte de la petite sirène pour développer leurs histoires. Cela était déjà le cas pour Ponyo de Hayao Miyazaki, ainsi que Lou et l'île aux sirènes de Masaaki Yuasa. L'un des défauts de Bubble, c'est que le film rappelle constamment au public l'inspiration de son histoire, là où Ponyo et Lou tracent leur propre parcours créatif. Dans Bubble, Uta se réfère de façon peu subtile à l'histoire originale de la petite sirène comme jouant un rôle dans sa prise de décision. Il y a comme une prophétie tragique et auto-réalisatrice dans son engagement avec cette histoire. Elle est née dans un rôle sacrificiel qu'elle se sent tenue de remplir plutôt que de vivre une vie normale. La fin douce amère du film a laissé beaucoup de personnes perplexes et dans l'incompréhension. Beaucoup de points de l'histoire ne sont pas répondus et sont libres d'interprétation. À ce stade, certaines spéculations sont nécessaires.
Un moment clé pour la compréhension du dénouement implique le moment où Makoto mentionne que la Voie lactée entrera en collision avec Andromède dans quelques milliards d'années. Notre interprétation est donc que la chute de bulles il y a 5 ans est due à deux galaxies qui se sont heurtées. Ces bulles sont une espèce étrangère arrivée sur Terre depuis le vortex dans l'espace après une collision. Uta est donc peut-être venue de l'espace pouvant prendre une forme humaine parce que ces bulles sont constituées des mêmes éléments qui composent notre corps. Uta commence à en apprendre davantage sur l'univers, le Big Bang et par la même occasion l'origine de son espèce et sa place dans la galaxie. Elle découvre la nature de l'humanité, sa beauté et ses atrocités, ainsi que la tendance de toute chose à se décomposer avant de se reformer. On apprend également qu'Ibiki aurait possiblement déclenché la première explosion en essayant de toucher la bulle qu'était Uta. En effet, Ibiki lui a tendu la main, mais c'est à ce moment-là que les sorts d'Uta se sont mis en colère et que l'explosion s'est produite. C'est donc Uta qui a sauvé Ibiki de la chute et est resté à Tokyo sous sa forme bulle pour l'aider. Uta faisait ce son que seul Ibiki pouvait entendre. À la fin du film, Uta arrive à calmer ses sœurs, mais cela a un prix. Tout comme la petite sirène, elle a renoncé à son existence pour le bien-être de la personne qu'elle aime. Cette situation est d'autant plus tragique que Tokyo s'en est retrouvée sauvée. Comme si la relation d'Ibiki et d'Uta était une anomalie qui n'avait pas lieu d'être. Un sacrifice nécessaire au bien de la ville. En fin de compte, Uta aurait permis à Ibiki de trouver une paix intérieure, de se comprendre lui-même et de donner une nouvelle trajectoire à sa vie. Ce n'est plus un jeune loup solitaire dans un monde ravagé, mais un adulte prêt à faire partie d'une société en pleine reconstruction. Il est désormais intégré à un système beaucoup plus grand que lui, tout comme les êtres vivants sont une composante de cet univers si vaste. L'épilogue montre que bien qu'elle soit partie, Uta reste toujours avec Ibiki sous sa forme de bulle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Que ce soit les minéraux, les plantes, les animaux ou les êtres humains, tout comme les atomes, nous sommes destinés à former de nouveaux êtres, de nouvelles planètes, de nouvelles étoiles, tel un tourbillon. Il y a une véritable poésie visuelle dans Bubble, qui passe notamment par les séquences de spirales qui nous sont dévoilées au sein de la nature. Il s'agit de spirales logarithmiques. On retrouve ce motif dans la forme de certaines galaxies, dans le développement de certaines coquilles de mollusques et dans l'agencement de certaines fleurs. Jean-Jacques Bernoulli, un mathématicien et physicien suisse, éprouvait un attachement presque spirituel pour cette spirale géométrique et ses propriétés d'invariance. Ce symbole véhiculait pour lui l'idée de courage, de constance dans l'adversité, d'espoir et de réincarnation. Ce sont quelques-uns des rares moments de Bubble qui rappellent cette imagerie surréaliste qu'il y avait dans Mahou Shoujo Madoka Magica. Ces moments de fulgurance aux couleurs vives sont presque hallucinogènes. Ces passages flirtent avec le psychédélisme et la métaphysique. La fin du film met en avant le rapport qu'il y a entre le micro et le macro. Il associe la nature et le cosmos à travers la chanson. Le staff souhaitait livrer quelque chose qui réchauffe le cœur, mais laisse en même temps une certaine place à l'interprétation et interroge le cycle de la vie à grande échelle. Bubble n'est pas le plus grand film d'animation. C'est un film en demi-teinte, faute d'un scénario trop convenu, d'une intrigue peu prenante et de personnages pas assez approfondis. La difficulté à créer de véritables enjeux et une romance réellement impactante en font un film décevant. Certains le trouveront certainement ennuyeux, d'autres resteront indifférents. Cependant, la véritable force de Bubble réside dans son esthétique, son animation, sa légèreté et son storytelling visuel. Les symboles comme la spirale d'or permettent de creuser des questionnements intéressants et donnent dans la conclusion du film une autre dimension à l'histoire. Au final, on retiendra du film ses thématiques sur la solidarité, l'altruisme, l'amour, la perte et l'espoir. Ce qui rend l'histoire particulièrement séduisante, ce sont ces moments d'isolement contemplatif ainsi que cette forme d'évasion à travers le mouvement. Il s'agit de raconter une histoire d'amour belle et éphémère à travers l'action, de dépeindre ce sentiment particulier qu'est la rencontre de l'être cher et qui nous incite à sortir de notre propre bulle, à nous libérer. Comment avez-vous trouvé notre vidéo sur Bubble? Êtes-vous d'accord avec notre avis? Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo. Sachez que nous sommes également disponibles sur Twitter et Discord, dont voici les liens.